d'imaginer, à 30 ans, robuste et gaillard, ce qu'on sera 30 ans plus tard, on ne peut être et avoir été. C'est la sagesse populaire, celle de nos vieux dans leur chaumière, radotant proverbes et dictons. C'est la sagesse des nations, évidente, triste, un peu con. Mais les comètes, le cours des astres, la chirurgie et les onguents vous épargneront gentiment. Nos femmes échappent au désastre. Elles gardent leur beauté longtemps. Nous n'en sommes plus à l'époque de nos mères grands assez étoques, bigoudis, liseuses à trou-trou et chemises de nuit en pilou. Quant à nous, nous restons bien verts grâce à nos sous, grâce aux pilules qui regonflent nos ventricules et nos méninges et nos artères. Tous les jours, 18 comprimés et 5 gélules à avaler, moyennant quoi longévité, moyennant quoi forme increvable, au lit, en vacances ou à table. Vive le troisième âge athlétique, qui a la frite, qui a du fric, et qui entame goulûment l'avenir rose à belles dents. Vive notre long troisième âge, celui des beaux vieux en BM, prêts à grimper en quatrième, au bout du quatrième étage, bonne retraite et bon voyage. Juste le temps de jouir et l'automne vous tacle. L'ascenseur est en haut, c'est la fin du spectacle. Tout le monde descend, sans bruit, sans bousculade. Détachez vos ceintures, fin de la promenade. Il est temps de caleter, couper le disjoncteur, alléger la sécu, bande de profiteurs.